Bonjour à vous les taureaux, bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois-ci. Pour ce mois-ci, nous allons utiliser le Tanis le Normand ici pour faire le tirage semaine par semaine et nous tirons une carte du Sweet Ladies pour avoir une indication globale sur tout le mois. Alors, je vous invite à compléter votre tirage en allant voir votre ascendant et votre signe lunaire. Et je vous invite également à vous abonner à la chaîne, bien sûr, pour avoir accès à toutes les vidéos. Voilà, on va commencer tout de suite avec la carte du Sweet Ladies. Donc, on a cette carte-ci. J'attends que le focus se fasse, voilà. Donc c'est une carte qui parle d'avoir foi en vos objectifs, de vous concentrer dessus, surtout de ne rien lâcher, de voir les choses à long terme et pas à court terme, parce que vous avez sans doute mis en place des choses qui vont se réaliser pour plus tard. Ce sont des objectifs à long terme. Donc là, on vous invite vraiment à rester, à avoir toute votre attention fixée dessus et ne pas vous laisser décourager ou ne pas vous laisser distraire par tout ce qui va se passer autour de vous durant ce mois et qui pourrait vous empêcher justement de garder cette vision à long terme que vous avez. Donc là, c'est très très important vraiment de rester fixé sur vos objectifs durant tout le mois. Vous faites les choses pour une bonne raison, rappelez-vous-le sans arrêt. Pourquoi vous faites les choses? Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place? Qu'est-ce que vous êtes en train de concrétiser? Non pas pour demain, mais pour un avenir plus lointain. Vous êtes vraiment dans cette démarche-là. Alors, on va faire semaine par semaine. Donc, pour votre première semaine. Hop, j'ai les cartes qui tombent. Voilà, la première semaine, la deuxième semaine. La troisième semaine et la quatrième semaine. Alors c'est bien sûr un tirage général, hein, je vous invite à le compléter de votre côté puis voir en fonction de votre situation bien sûr comment l'interprétation de ce tirage va vous parler à vous en fonction de ce que vous vivez. Alors, pour la première semaine, il y a des petits tracas qui vont être présents, des petits stress qui sont présents et qui vont être liés soit à une personne masculine, mais aussi à des choix que vous devez faire. Alors, ce sont peut-être des choix qui sont en lien avec cette personne-là, cette personne masculine de votre entourage, ou bien cette personne de votre entourage va aussi vous permettre d'avoir ce côté aller de l'avant et maintenant il est temps de faire ses choix. Il est temps vraiment d'acter les choses et de faire des choix. Le fait d'acter les choses et de faire des choix, c'est pas forcément facile, c'est pas forcément facile pour vous. Et peut-être d'ailleurs que cette carte du Sweet Ladies vous donne une bonne indication. Faites les choix qui sont présents à vous, non pas en fonction de ce qui va arriver demain, non pas en fonction d'une durée courte, mais bien de vos objectifs à long terme. Donc là, c'est bien parce que le Sweet Ladies vous donne vraiment une indication pour vous permettre de faire le meilleur choix possible pour vous. Restez fixé sur vos objectifs, restez fixé sur vos objectifs à long terme et faites les choix en conséquence de ça, même si pour vous c'est stressant, de toute façon il faut y aller, il faut le faire. Durant la seconde semaine, vous allez avoir un besoin un petit peu plus de repli, de cocooning. Et puis vous allez avoir besoin aussi de vous sentir entouré, qu'une personne prenne peut-être aussi des décisions pour vous. Maintenant que vous avez pris vos décisions, vous avez besoin peut-être de relâcher un peu la pression. Et on est dans cette idée d'ailleurs de cadeaux qu'on va s'offrir avec la carte du bouquet. Donc peut-être que votre conjoint, peut-être que votre compagne ou compagnon va vous offrir quelque chose, quelqu'un de votre famille peut-être aussi peut vous offrir quelque chose. On est dans une énergie de gratitude, de repos aussi, et d'avoir ce grand besoin de se sentir entouré, de se sentir rassuré aussi. Donc là, vous allez sans doute vous mettre un petit peu à l'écart durant cette seconde semaine et vous confier ou être en communication uniquement avec des personnes qui vous sont très proches, qui vous soutiennent.
on a encore la carte de l'homme hein, qui revient. Donc on est quand même, on a des phases actives, passives et réactives. Et ici, avec la carte de la femme, on sera plus dans un univers plus passif, plus lié à l'intuition. Mais comme quoi, vous allez arriver à faire un peu le yo-yo dans votre moi, ce qui va être positif, parce que ça vous permet de reprendre des forces à certains moments et puis de retourner à l'action dans d'autres moments. On voit que vous allez recevoir des nouvelles durant la troisième semaine et ça va être des nouvelles qui vont vous permettre justement de récolter aussi ce que vous avez semé précédemment. Donc ça va être des nouvelles en lien avec des choses que vous aviez mis en place il y a quelques temps déjà et qui a porté ses fruits aujourd'hui. Donc comme quoi vous voyez qu'avoir un objectif aussi à long terme, et ça va sans doute vous rassurer à ce niveau-là, va vous permettre d'apporter, même si vous ne récoltez pas tout de suite ce que vous avez semé, vous le récoltez plus tard. Et là, ici vous faites des choix à long terme, vous restez focalisé sur votre objectif, mais vous allez aussi, durant la troisième semaine, récolter des choses que vous avez semées précédemment. Donc on a déjà ce retour aussi des choses que vous avez mis en place et qui va revenir vers vous. Alors, les cartes ne nous disent pas si c'est positif ou négatif, parce que ça va dépendre un petit peu de chacun, de ce que vous aviez mis en place. Mais en tout cas, vous allez récolter ce que vous avez semé, et vous allez avoir aussi des nouvelles qui vont vous arriver en lien à ça. On vous invite à agir en fonction de ce qui va se passer durant cette troisième semaine. Ne restez pas passif ou passive, agissez vraiment en fonction de ce que vous allez recevoir. Durant la dernière semaine, on a la carte de l'enfant, la carte du mont et la carte de la femme. Eh bien, on vous invite un petit peu, peut-être que vous allez avoir du mal durant cette dernière semaine à lier votre rôle de femme et vos envies, ce qui vous fait plaisir, ce que vous avez envie, vous, de façon très personnelle à réaliser. Il y a peut-être un décalage qui va se faire ici pour vous. Qu'est-ce que la femme, l'adulte en vous qui a des responsabilités doit faire, même si ça vous plaît pas, et qu'est-ce que l'enfant en vous aurait envie de faire, aurait besoin de faire pour remettre de la gaieté, pour remettre de la magie, de l'enthousiasme dans sa vie. Donc il y a peut-être une petite difficulté ici à lier les deux et à coordonner les deux, et là on vous invite à faire ce qu'il faut justement pour vous octroyer des moments où vous allez pouvoir laisser exprimer votre enfant intérieur, remettre de la magie un petit peu dans votre vie, de l'enthousiasme, et puis aussi arriver à conjuguer les moments où au contraire vous avez besoin d'avoir ce rôle plus adulte aussi, de devoir faire des choses qui sont pas forcément, qui vous donnent pas forcément envie. Donc c'est important d'arriver à lier les deux ici, même si c'est difficile, et faites appel à votre intuition, parce que l'on soit avec la carte de la femme ou avec la carte de l'enfant, on a une intuition qui est excessivement présente dans les deux cas. Voilà les taureaux, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous aura parlé. N'oubliez pas de vous abonner, je vous embrasse bien fort, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye !